Jodia, c'est 17 août. Bienvenue dans la fête la belle. Bonne fête, nous toutes cap fêter anniversaire de naissance, non? Et c'est 229e journée année, cap fêter dans 136 jours. N'a dit bonne fête spéciale. I want to my na famille qui na Pennsylvanie et a une grande dette, une bienfaite famille qui en Haïti qui a célébré l'anniversaire naissance li jodi a. N'a fêté avec plusieurs saints, Sainte Jeanne de Lannou, bienheureux Nicolas Politi et Sainte Claire de Montefalco. Nous pas bien réflexion personnelle, histoire la vie saint yo suffit. Gen trop causé même. Et n'a cassé coûte maintenant ma coûte. Là nous fin ta de histoire saint sa yo. Moi-même, c'est toi bon qu'on dit. On répétait un mot qui dit mes amis ou bien quel autre qui dit gain cause et quel autre monde qui dit aïe aïe aïe. Nous connaissons situation hein, difficile pour tout haïtien spécialement pour monde qui n'a grand sud pays d'Haïti. Nous fin que sortir en bas assassinat président pays hein? Nous tombé en bas train de matin et puis le dégât puis le monde mourir et même qu'il y a un cyclone Grace alors grâce qui a passé mais qui va venir faire nous aucune grâce. Nous connaît faites la belle pas belle en Haïti mais c'est well non pour nous encourager tout le monde pour nous lutter jusqu'au bout. C'est une raison. Le monde qui mourut pour job, pour job, mais nous-mêmes qui avons envie, il faut nous fêter. Parce que la vie continue. Comme ça, à nous avancer. Bonne fête, la belle. N'a parlé de Jeanne de Lannou. L'été fait au 18 juin 1666.
Et parenthèse, la ville était fermée au 17 août 1736. Jeanne était une à 12 petites mamans avec papa. Et je te convainc article religieux. Alors, lui-même était venu responsable shop là après la mort, maman. Il était gain à pile succès dans le business. Donc, mais il était égoïste en pile, il était raide. Alors là, on monde c'est économiste, ou bien on va occuper à faire l'argent, donc on pas cap quitter l'argent gaspillé. Peut-être pour ça, on dit qu'il était raide. Pendant fête la Pentecôte, bon, il y a un auteur qui dit ça en 1693, il y a un autre qui dit ça en 98. Et bien, il était rencontré une veuve qui était dans pèlerinage ensemble avec lui. Veuve s'appelait Françoise Fouché. Eh bien, elle était prédit, elle était juste gardée Jeanne, elle était prédit que Jeanne avait une responsabilité en pile monde qui pauvre. Après, elle était fin fait une vision. Jeanne Delano était vraiment changée. Elle était fermée business là carrément. Elle était fin entrée plus dans les affaires, prend soin. Moun malere, Jean veuve la te dit là. Li te profite relation li te gen, lèl de la business la, pou te jwen l'ajan, kon sa li te konstruit 3 orphelinat avèk kek lot ospis akon pou malere. Pi ta, an 1704, li ta pral fonde kongregasyon ki rele The Sisters of Saint Anne of Providence, of Samur. Congrégation a plus concentré en France, Madagascar et Sumatra, avait dit, y'a pas dans la zone panoa. Jeanne Delano était très fatiguée, tellement elle était travail. Eh bien, elle était quittée ça 17 août 1736 en France. Pape Jean-Paul II te canonise 31 octobre 1982. Saint Louis et de Montfort te écrit une belle lettre, un bel message à Sainte Jeanne. Mais ça lui te dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime et vous pousse à cette vie pénitentielle. Dorénavant, soyez sans crainte et suivez vos inspirations. On a parlé de bienheureux Nicolas Poletti. Il était fait en Sicile en année 1117, alors en Italie. Et parenthèse, la ville était fermée en 17 août 1167, toujours en Italie. Par Nicolas Poletti, te fèl lè yo te avansè nan l'âge, yo te bali yon solide edikasyon. Depi li te tout piti, li te remè bon Diyo e la Vierge Marie, li te konsakre tèt li a Marie.
Je t'ai rajouté un mariage pour lui à 17 ans, mais elle était courue quitter la cérémonie mariage là. Il était plutôt amené en vie de religieux, comme un ermite, comme un ascétiste. Il était qu'on allait dans un monastère pour confesser et pour communier seulement. Alors, il dit qu'il était qu'on réalisait un pile miracle. Par exemple, il dit que l'elle a baptisé et un peu de l'eau baptême est tombé à terre et tout côté de l'eau ça est tombé, il y a une source d'eau qui jaillit. Deuxièmement, il dit petit bébé, en tant que petit bébé, il était congêné pendant la tétée, oui, il n'est pas de jambe pour tétée, ni le mercredi, ni le vendredi, ni le samedi. Il dit tout. Si garçon te chassé en loup seulement avec signe de croix. Et il conquérit monde et il conquérit bête tout depuis la prière pour yo. Yo dit un ange te guidé pour te capable sauver quitter mariage là. Ange là qu'on dit qu'il est un monde approché vin joindre pour t'apprendre pour t'a faire retourner la caille. Yo dit tout, yon aigle te kon pote manje bali na kavo kote l te kache ya, na tou kote l te kache ya. Li te jwen dlo, le li te frape e woshe ya avek baton li. Yo dit tout, gen yon aigle ki mache avel, le par exemple el soti, ebe aigle ap indike l e ki kote na ki gwot pou lantre, eske se gwot pa la ou bi eske l pedi. Yo di tou gen yon machan ki te ofril apil avantage la ajan kapab retounen al marye. E le sa li te fè yon priye e pi machan da te oblijo disparet gele se te satan. Yo di tou yon zanj te avertil, te averti Nikola Politi, le li tap pral mouri. Comme ça, il était qu'il a confessé, il a communié, il a fait dernier prière. Et lui-même dit, frère Léo, confrère Léo, au revoir. Et pour finir, on a parlé de Sainte-Claire de Montefalco. Il y aurait le tout Sainte-Claire de la Croix. Donc, date Léo, on est déjà confus, donc pas entrer dans ça. Mais nous connaissons qu'elle est morte dans. En 17 ou bien 18 août 1308. La communauté franciscaine, yo reconnaît lui comme Sainte Pio, mais la communauté augustine n'a tout réclamé comme Sainte Pio. Depuis qu'il était petit, il était une tendance religieuse. Il était remis par ce Christ-là avec la croix. Et bien, Sainte-Claire était venue en tertiaire franciscaine. Elle était mise ensemble avec un groupe d'amis pour fonder une maison franciscaine. C'était couvent Sainte-Croix, dans Montefalco, en Italie. Après ça, la maison était venue et adopter les règles de Saint-Augustin. Après la mort, elle était jointe une croix qui était gravée sur Kelly. Alors, là, ça va être un tatou, non? Ça va être question tatou. C'est un bagage miraculeux. Sainte-Claire de Montefalco, c'était une sainte incorruptible. Ça veut dire qu'après la mort, il y a enterré le mais qu'elle n'a jamais décomposé. Pape Léon XIII était canonisé et 8 décembre 1881. Sainte-Claire de Montefalco, c'est saint patronne et Montefalco, zone Italie. C'était biographie 3 saints qui ont célébré aujourd'hui, entre autres, Sainte Jeanne de Lanoue, bienheureux Nicolas Politi et Sainte-Claire de Montefalco. À demain, si bon Dieu voulait.